dans le centre-sud pour la 4e édition des World of Battle. Je suis en train de tuer ma voix. It's all good. You know what it is. On aimerait donner un gros shout-out premièrement à tout le monde qui est venu pour supporter le putain de mouvement de rap. Yeah! Deuxièmement, on aimerait ça donner un gros shout-out à Hip Hop Franco, HHQC, au Sino Shop, à SubV, à Two Angle, à 33 Mag, Globetrottoir.com, Word Up Battles, Punch Out, Pat Laline, K6A, Costco, everybody! Pour notre premier battle, je suis avec mon co-host vulgaire. Oh, bitch! Ça va devenir vrai dans cette pièce pour quelques instants. So, notre premier battle, à ma droite, on a... Présente-toi, Doug. Yo, Jean-Joël, motherfuckers, Seuzla, Monnaie Production, Joe RCA is dead! Et à ma gauche, on a... Joe RCA pour la Cité Soul, bitches! Le gars à ma droite, et qui est Jean-Joël, va caller dans les airs. Tails it is! Je vais commencer, man. Quiet down! Mesdames et messieurs, je vous présente le kid qui rêve d'être dans le K6. Bitch, t'as l'ambition d'une choriste. Fuck tes bars merdiques de kid dyslexique pis ton charisme de bassiste. Je garde ça basic pour qu'ils comprennent. Fake bitch, je t'en crisse d'être venu ici battle le fils de Lilo et Stitch. Yo, t'arrêtes de faire tes devoirs au lieu de te faire des accroirs pis écrire des bars qui te mènent nulle part. Ton avenir se résume à faire des corps en quelque part dans un bar de Montréal-Nord. Pis comme ce soir, c'est encore ta mère qui va faire le lift en char. T'as gagné ton dernier battle, mais on t'avait tout oublié 2 minutes plus tard. For real. À part Philly, le dude s'aime tellement profondément qu'il est trop fort. Yo, t'es un rappeur de salon. T'es un sous-produit de notre état d'esprit à l'étape de l'embryon. Fait que trouve-toi une identité, pauvre con, parce que right now, c'est trop évident que ta génération s'inspire de ma génération. Hey! Joyce, that's on you. Yo, dude, juste en checkant ta tête, on comprend tout de suite que les mégatests, c'est ta drogue. Ce gars-là, il voit une souris d'ordi pis il capote. En attendant chez eux, il se connecte en USB pis je vous laisse deviner où il branche la plug. Il couche avec sa Xbox pis il est comme « C'est une vraie salope, je la fourre dans le lecteur CD pis c'est comme si c'était sa plug. » Lui, il a jamais rêvé que son rapper préféré donnait des mad props. C'est plus de quoi genre « What, tu travailles chez Future Shop pis il me paye un laptop. » T'es un fucking geek. Il y a juste aux jeux vidéo que tu sais viser. Pour toi, la révolution sera télévisée. Yo, là, je coupe ta tête de rat pis je la sac dans un bol de formol. Après, je remets le pot sur ton corps de cop l'envoi pis je revole toi à ta môme quand j'ai pas de cop. Elle s'amuse en crisse à piquer des dents dans chacune de tes portes mortes. Yo, dans tes tracks, t'es genre, yo, je bats, oh, mais t'as de la misère à le faire. C'est pour ça que même le pire des cannibales voudrait pas de ta chair. Chacun de mes mots frappe ta tête pis ça va te prendre plus que les punches sur ma tête pour que j'arrête. Mais je parlais pas de ton vieux groupe fini parce que je respecte ma mère. Elle m'a bien appris de pas fesser quand il est déjà à terre. Moi, je respecte sa mère, mais... d'une autre façon. Yo! Oh. Yo! Je me demande encore si je devrais te féliciter d'être la première merde à sortir des tryouts plates ou d'être le premier kid de ta classe à faire autre chose que de jouer à World of Warcraft. T'es pas le générique passe dans le bar comme le retour de deux faces. T'as le swag de B-Brain strip sur T-Pain pis Hurricane Chris. J'te crisse un Dragon Punch pis un Hurricane Kick avant de slap ta petite face de marde comme Rick James, bitch! Son pire cauchemar! Fuck Freddy! Il est tellement corny, j'étais sûr que t'étais une chanson
Corey. Mais t'es juste un autre MC typique qui trippe multisyllabique avec une voix de petite conne. T'as une ligne sur 20 bonnes. Le reste, c'est random. C'est pas moi que t'impressionne, bitch. Tout le monde est capable de crier plus fort que Gruesome. Yeah! Yo! Mais j'ai un plan B qui impressionne, G. Des toilettes, j'ai stashé un gun. Je le pogne, je te shoot une balle dans le gorge puis un autre dans le dôme. Michael Corleone! Ah! Le premier stop pass, the word up. 60 seconds, it's on you. Yo, avant le battle, on m'a dit Jean-Joël, c'est un vieux rapper. J'ai dit, il serait temps qu'il évolue. Mais je vous explique pourquoi il a l'esprit tordu. Dans son jeune temps, il y a déjà un dinosaure qui l'a mordu. Il a même déjà eu une scorpion. Là, il rêve qu'il s'en sort puis qu'il est connu. Mais tes rap skills sont comme tes érections. À ton âge, t'en as plus! Que je suis jeune et imberbe, mais je suis bien fresh. J'ai des skills plein de chess, pis moi au moins j'ai plus de poils sur la tête que dans les fesses. Non! 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 La dernière pick up line avec une femme, c'était genre bébé, moi j'ai le gland sans chaud. Pis la seule réponse que t'as eue, c'est vu que t'es pas jolie, tu devrais rester poli comme ton crâne chaud. Non! Quand on parle de prestance, c'est clair qu'on parle pas de gens, mais c'est cool, à deux on forme un volcan. Moi j'arrive au word up, j'y spit du feu, toi t'es arrivé en choquant. Et même sur mute, t'es gossant. T'as tellement une fucking tête de gland, t'as tué que c'est une tranchant.